tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de livre et ce sera le Flower Mandala de chez Coloria. Donc je suis hyper contente parce que Coloria me fait une nouvelle fois confiance pour vous présenter une de leurs nouveautés. À la base je suis pas très mandala mais celui-ci en mode floral m'a attiré l'œil donc je suis vraiment très contente qu'ils me l'ont proposé. Il faut savoir que quand j'ai découvert Coloria, le premier livre que j'ai pris chez eux c'est le Mandala Nature et il m'avait plu parce que justement il y avait ce côté mandala associé aux fleurs et on n'avait pas une totale symétrie et c'est ce qui me plaisait. Donc j'imagine qu'on va retrouver plus ou moins ce style là dans ce livre. Alors je me suis absolument pas spoilée, je veux le découvrir avec vous. J'ai vu quelques illustrations passer et je les ai trouvées très très jolies mais je n'ai pas tout vu. Donc on va le découvrir ensemble et bien sûr je ferai un petit colo dedans. Je pense très certainement que je le démarrerai ou je le continuerai en live avec vous. Alors concernant le livre, comme d'habitude, hein, c'est les spirales en haut, le papier très épais, une très très belle couverture qui peut être très inspirante. Elle est vraiment très jolie, j'aime bien ce qu'ils ont fait dans le fond avec les dessins des fleurs en blanc. Et puis bon ben voilà l'arrière avec un petit texte. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir de Henri Matisse. Très jolie couverture de dos comme de devant. Alors on va découvrir tout ça. La petite name page, très mignonne. Je me dis, je ferai bien dans l'ordre en fait, éventuellement. On va voir au fur et à mesure, mais mettre en couleur un livre dans l'ordre, je trouve ça tellement satisfaisant. Et ça pourrait être un petit fil rouge personnel, ça pourrait être chouette. Donc très mignonne avec les petites fleurs. De toute façon, j'aime bien les fleurs de chez Coloria de base. Un petit blabla de chez Coloria avec le QR code pour rejoindre leur groupe et tout. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude le tout en barre d'infos. Le papier hein, toujours bien épais. Voici la première illustration. Ben voilà, c'est ce que je disais. On est sur du mandala, mais en mode asymétrique. Donc moins répétitif que du mandala classique. Donc ça peut être chouette. On peut le traiter en mode dégradé comme en mode remplissage en couleur pour se détendre. Donc ça, c'est sympa. Ça change du mystère, on va dire. Elle est mignonne, celle-là. J'aime bien. Ben, j'aime bien les rosaces comme ça. Il y a de la symétrie et en même temps de l'asymétrie. C'est vraiment ce qui me plaît dans ces illustrations. Enfin, en tout cas, ce que j'avais dans le mandala nature, les autres, je ne les ai pas encore vues. Donc, on va découvrir. Hein. Mais à mon avis, ça va être comme ça à peu près tout le long. C'est très mignon. Ça peut être des petits colos rapides en plus. Donc, ça peut être très chouette. Oh, il est chouette celui-là. Ah, j'aime bien. Avec la petite dentelle ici. Et c'est pas les mêmes fleurs. Ah, il est sympa. Très jolie composition. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu, ça sera mieux. Les petits champignons, ils sont choux. Ah, pour la Saint-Valentin. Petit cœur. Plus grosse page à faire, là, ils ont bien couvert la zone. Hein. Ah bah celle-ci, elle est mignonne. Avec les fleurs qui tombent. Ouais, donc on s'éloigne bien du mandala, on est vraiment sur un thème floral, quoi. Donc si vous aimez les fleurs, je pense que c'est un livre fait pour vous. Alors celui-ci, il y en avait un dans le Mandala Night, je crois, qui est comme ça coupé en deux. Alors c'est moins mon style, moi j'aime moins quand c'est coupé en deux, comme ça. Avoir une fois mis en couleur, ou alors faudrait continuer le trait pour apporter un côté, je sais pas, plus yin et yang. Je préfère les précédentes en tout cas. Après, j'aime bien l'illustration qu'ils ont faite, hein. Celle-ci surtout. De ce côté-là, c'est plus mandala, mais le motif est très joli, j'aime bien. Ah, là, on est vraiment mandala, fleurs, symétrie. Ça reste très mignon. Ah, je l'aime bien celui-ci. Bon, même chose, là, on est mandala en symétrie. Tout fin, ça peut être sympa. Même chose en mode remplissage, on pourrait faire un effet doré ici. Oh, celui-ci, il est sympa. On a la symétrie du mandala et la fleur décalée. Ça, c'est très joli. Ok, donc là on est encore dans du vrai mandala. Je l'aime un petit peu moins celle-ci, j'aime pas trop ça. Avoir une fois mis en couleur, mais tout le reste j'aime bien. Ah bah celle-ci, en autant l'autre j'aimais moins en biais, mais en comme ça, c'est sympa, on pourrait faire un effet jour-nuit. Allez, chouette celle-là. Ouais, j'aime beaucoup celle-ci. Ah, celle-là elle est sympa. Donc fleur en bas, bijoux en haut. Oh, elle est belle celle-là, j'aime bien. Elle est simple, mais elle a un côté Noël, très géométrique, mais je sais pas, elle me plaît celle-ci, elle est très jolie.
Ah ouais, en mode Noël, en effet boule à neige, ça pourrait être cool. Très mignonne. Simple, mais vraiment mignonne. Ok, donc on retrouve le côté mandala. J'aime bien l'idée de couper comme ça. Je l'aime bien aussi celle-ci. Petit cœur, encore une fois, pour Saint-Valentin. J'aime moins ça. Ça fait trop vitrail, mais je pense qu'une fois mis en couleur, ça peut le faire quand même. À voir. Ouais, j'aime un petit peu moins. Je préfère l'autre cœur. J'aime bien leurs fleurs, par contre. Puis j'aime bien leurs fleurs de base. Ah bah voilà, là, on ressent pas du tout le côté mandala. On a quand même le cercle, mais du coup, là, on peut s'éclater à faire les fleurs. On a quand même une symétrie ici. Et ici. Et encore, non, même pas. Non, non, on a juste... Même pas, j'ai dit là et là. Il n'y a pas de symétrie, en fait. Elles sont toutes différentes. Là, il y a trois feuilles. Là, il n'y en a qu'une. Deux ici. Là, il y a une branche. Là, juste deux feuilles. Donc non, on n'est pas en symétrie. Ouais, chouette, celle-là. Ah oui, là, on est très mandala, pour le coup. Ça, j'aime un petit peu moins. Je préfère quand il y a les vraies fleurs, pour le coup. Oh, celle-ci, j'aime bien. Bah là, on est vraiment sur du mandala, mais... En mode carré dans un rond, j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup celle-là. Et le rond est dessiné par les petits points finalement, donc c'est discret. Oh, c'est joli. Alors celle-ci, j'aime bien, mais elle est hyper chargée. Donc là, on est sur du vrai mandala répétitif. Mais pareil, une fois fini, ça doit être très joli. Oh, celle-là, elle est sympa. Celle-là, j'aime bien. Ouais, j'aime bien ce côté. Il y a le rappel du mandala, mais après, c'est que de la symétrie autour et ça, c'est joli. C'est ce que je préfère, je crois, dans ce livre. Oh, celle-ci, elle est sympa. En mode faïence, ça pourrait être beau en blanc et bleu. Je vous donne les idées au passage. Oh, celle-ci, j'aime bien. En mini mandala. Même chose, hein, en pli, en feutre. Et, on peut faire en aplat au niveau des mandalas. Et puis les fleurs, les faire en dégradé. Ça fait une opposition aplat dégradé. Ça pourrait être chouette en rendu visuel. Alors là, on est sur du mandala un petit peu plus classique, hein, toujours. On a quand même des fleurs, des feuilles. Ah, celui-là, j'aime bien. J'aime bien ce type de mandala, un peu fleur de lotus, en fait. Avec les fleurs derrière. On pourrait le faire en mode je ressors en couleur et faire les fleurs derrière en plus clair. Pour faire un premier plan, second plan, ça pourrait être chouette comme rendu. Ah bah, celui-ci, j'aime bien aussi. Pourtant, on a encore du mandala central. J'aime bien cette opposition rond parfait et plein de formes géométriques sur l'arrière-plan. Ça dénote une opposition entre quelque chose de parfait, quelque chose d'imparfait, entre guillemets. Parce qu'on a quand même les fleurs qui sont posées symétriquement, mais on a plein de petites formes comme ça. Et là, on a vraiment rond parfait à chaque fois. J'aime bien cette composition. Alors ça, c'est particulier. Je vois pas trop ce que ça représente. J'ai l'impression que ça s'en trouve, en fait. Sur le coup, j'ai cru voir un visage humain. On pourrait, hein. Dessiner un visage, les épaules, etc. pour faire comme si c'était quelqu'un en dessous. À la Anna Carlson. Ouais, c'est pas mon préféré, celui-là. Bon, bah celui-ci, un petit mandala classique, mais sympa. On pourrait faire les couleurs de l'arc-en-ciel, ça pourrait être sympa, en dégradé. Ah, celle-ci, j'aime bien. Les fleurs qui sortent du rond, comme si on avait mis une assiette, on avait lâché les fleurs dedans. Ça, j'aime bien. Ok, mandala en mode carré. Pourquoi pas, j'aime bien une petite jonquille. Celui-là, il est assez sympa, un peu fouillis. Et on retrouve bien le type mandala et puis après ben, les fleurs autour. Quelques petits coups de cœur. Bon, je vais vous montrer ceux que je préfère vraiment et après je vous laisse avec le flip through. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais comme d'habitude, vous aurez un petit flip through. Si vous souhaitez juste voir ce passage... Je mettrai peut-être une note. J'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime assez. Celle-là, j'aime beaucoup. J'aime bien le décalage en fait, de la fleur.
J'adore celle-là. J'aime beaucoup celle-là. En mode hiver, elle peut être vraiment très belle. Celle-là, elle est mignonne. Simple, mais mignonne. Celle-là, elle est sympa. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, elle peut être sympa aussi. J'aime bien celle-ci. Après, j'aime bien, les, comme je vous disais, les mandalas façon lotus. Ah bah voilà, j'ai fait le tour. Hein. Ouais, j'ai fait le tour de mes préférences. Oui, sympa ce petit, ça peut être un bon entraînement pour les fleurs. On peut se lâcher avec les peintures, aquarelle, acrylique, tout ce que vous voulez. Celle-là, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien aussi la name page. Qui, je sais pas où elle est, où la name page, elle est là. Voilà. Donc c'était le Flower Mandala. Je vous laisse avec le flip through et puis ben, je vous reprends juste après. Voilà, le flip show est terminé. Bon, ben, plus qu'à en choisir une à mettre en couleur. Mais j'ai vraiment envie de le faire dans l'ordre, en fait. Je commencerai bien par la name page et éventuellement...
l'avancer un peu en live avec vous, je sais pas encore. On verra. Il est vraiment sympa ce petit livre. Si vous aimez les fleurs, moi je pense qu'il peut vous plaire. Et en plus, je vous dis, on n'est pas obligé de faire en mode dégradé. En mode vraiment relax, c'est cool. Et je suis très contente que Coloria m'ait donné l'occasion de vous le présenter. Un grand merci à eux. Je vous invite fortement à aller voir un petit peu leur compte Instagram. Ils ont posté des colos qui ont été faits dedans et ce sont de véritables pépites. Très joli, ça peut être inspirant. Et puis encore une fois, si vous voulez pas faire de dégradé et plutôt faire du remplissage, je pense que ça peut être un bon bouquin pour ça. En tout cas, leurs livres sont appréciés vraiment pour ce côté détente. Et puis pour ma part, comme je vous disais, je pense que je vais commencer par celle-ci ou une de mes coups de cœur. Voilà, bon moi je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en petit commentaire. Et puis nous on va se retrouver plus tard en live, je pense, pour faire la petite illustration. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous êtes déjà procuré ce livre ou si vous avez l'intention de vous le prendre ou pas. Je suis curieuse un petit peu de savoir si vous aimez bien un peu ce style mélange mandala et fleurs. Moi je trouve ça sympa, je préfère ça au mandala classique. Et bien moi je vous laisse ici, j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis... à très bientôt !